Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien au tirage de tarot gratuit. On est aujourd'hui vendredi le 12 février 2016. Donc tout d'abord, je vous demanderai de vous centrer au niveau du cœur pour pouvoir émettre une intention à l'univers de recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guérison, mais ça dans le moment présent. Donc, tout d'abord, je voudrais vous dire pour les personnes qui sont intéressées, hein, cette fin de semaine, nous allons être au salon Harmonie à Saint-Eustache. Donc, si le cœur vous en dit, puis vous voulez venir nous voir, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Notre kiosque est le numéro 6. Je fais des lectures en direct là-bas. Donc, si ça vous intéresse également. Et puis, j'ai une conférence que j'anime aussi dimanche à midi et demi. Donc, si le cœur vous en dit, vous voulez venir voir ma conférence et apprendre à être un ange humain. Donc, je dis bien apprendre. Donc, et puis, si le cœur vous en dit, ben, ça serait vraiment joyeux là, de pouvoir vous accueillir avec nous là-bas. Donc, n'oubliez pas aussi que lundi le 15. Donc, j'ai deux choses. Premièrement, c'est que de 17h à 18h30, j'ai la chance de co-animer avec Sylvie Dugal, qui est mon invitée cette semaine à On jase spiritualité avec Chantou, où on va parler de l'amour au quotidien dans notre vie, donc par rapport à la Saint-Valentin, mais aussi en tant que travailleur de lumière, tout ça, donc pour être plus en alignement avec notre partie lumineuse, donc celle qui est par essence amour. Donc, si ça vous intéresse. Puis ensuite, j'ai une nouvelle formation qui commence lundi soir à 20h. Donc, 20h à 21h, c'est le premier bloc qui commence pour 7 semaines. Donc, on va être ensemble pour vraiment aller démystifier les secrets de l'abondance, les 7 premières clés. On va aller chercher 7 clés comme ça à chaque bloc. Il y en a 3. Donc, on va jusqu'au mois de juillet. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire à tous. C'est 88 $ pour 7 cours. Donc, si le cœur vous en dit, c'est le temps de vous inscrire puisqu'on commence cette belle formation-là lundi. Puis, on va commencer par éliminer, faire face à certaines résistances qui nous empêchent de générer l'abondance. On va parler au niveau financier, mais en fait, le but, c'est l'abondance dans toutes les sphères de votre vie. Mais c'est sûr que l'objectif du cours, là, c'est au niveau financier. Ce que ça me dit au niveau des cartes aujourd'hui, c'est que il y a un projet en lien avec votre mission de vie qui vous est envoyé depuis un certain temps. Là, dans le moment présent, on dit avancer là-dedans. Il y a des associations qui vont se faire, il y a des gens qui vont venir se greffer à ce projet-là. Il y a des énergies aussi de l'aide, des nouveaux guides qui vont se placer sur votre chemin de vie pour que vous puissiez mettre en matière ce projet-là, justement. Donc, puis on vous dit de célébrer chacune des étapes que vous avez accomplies jusqu'à présent sur le chemin de votre mission de vie. Bravo! Parce que vraiment, c'est tout un succès d'avancer sur le chemin de vie en expérimentant le côté humain. Donc, on n'est pas nécessairement toujours au niveau de l'âme parce qu'on expérimente l'humain aussi. C'est ce qu'on est venu faire, n'est-ce pas? Et puis, des fois, ben, c'est ça. On passe d'un endroit à l'autre parce que là, on passe du cœur au mental, à l'ego. Donc, puis ça fait partie de tout ça. Mais bravo pour ce qui a été accompli jusqu'à présent. Vos guides, votre âme, les cieux sont très contents. Il va avoir un autre désir ou souhait qui va se réaliser bientôt sur votre chemin de vie. Ça va être très, très, très puissant, très créatif aussi.
Donc, connectez-vous avec la source, connectez-vous avec le créateur et par la voie de votre créativité, c'est comme ça que vous allez arriver à pouvoir canaliser, matérialiser ce que vous voulez accomplir. N'oubliez pas que vous êtes les créateurs, créatrices de votre vie, que la vie ne fait que vous épauler. Dans le sens que tant aussi longtemps que c'est en alignement avec votre âme et votre cœur, en fait, la joie et l'amour à l'intérieur de vous, tout est parfait. Donc, mais quand c'est, quand les énergies sont tout autres, c'est là où ça change, là, que la vie ne vous épaule pas autant. Donc, mais tant aussi longtemps que vous êtes joie et amour, tout va bien. Donc, essayez d'être dans cette énergie-là le plus possible. Et puis en même temps, ben, c'est comme je vous dis, on est venu expérimenter le côté humain. Donc on a des hauts, des bas, on a des choses à apprendre, on a des obstacles, on a des choses sur notre chemin de vie qui font en sorte que c'est ainsi, puis c'est parfait comme c'est. Donc je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis continuez à rayonner. Continuez à avancer sur votre chemin de vie parce que vous êtes en train de réaliser de grandes choses, de belles choses. Et c'est sûr qu'à quelque part, peu importe ce qui est là, c'est toujours parfait. Et en même temps, c'est toujours des expériences que vous êtes là à prendre. Fait que c'est toujours correct. Donc, arrêtez de essayer de vivre dans le moment présent tout simplement. Amour, lumière, abondance dans toutes les sphères de votre vie. Je vous souhaite un excellent vendredi. Je ne sais pas si je vais être ici en fin de semaine pour vous faire des... Ben, en fait, que je ne sais pas si je vais vous faire des lectures d'âme cette fin de semaine. Parce que, comme vous savez, je suis au salon de Saint-Eustache. Donc, ça me demande de me lever tôt, de me préparer, tout ça. Donc, je ne suis pas sûre que je vais vous faire des lectures. Donc, mais sinon, ben, on se revoit lundi. Et puis, je vous envoie beaucoup d'amour. Et je vous souhaite une belle fin de semaine. Merci à vous. Continuez à rayonner. Merci.